Bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que l'on remet en pile à l'OVA Moussène. Ça va être notre troisième sortie pour ce aujourd'hui. Je vous rappelle, aujourd'hui c'est week-end, c'est samedi 13 juillet 2024. Faut que nous pas bref en pile, l'ENA conduit et puis suspend envoyer message texte sur WhatsApp. L'ENA conduit, ça a causé grave accident. Mieux vous voyez voice et puis faut que casse pour empêcher que cellulaire là pas causer la mort plusieurs mondes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre support. Nous voyons gros câlin baou. We love you. Un kaimeou. Et moi, remè ou nakopenda à tout haïtien qui a coûté nous quelques jours à côté où il y a dans le monde là. Nous pourrons la parler, je dis, à une déportation qui gagne en République dominicaine. Avantages et désavantages pour République dominicaine et avantages et désavantages pour Haïti. Nous va parler un petit peu sous caractéristique président dominicain, sous question intervention qu'il y a maintenant en Haïti. On va juste observer une toute petite pause, nous reviendrons tout à l'heure pour la continuité. Bonjour! Merci de votre fidélité, nous revoici, c'est avec même chaleur, même fougue, même enthousiasme, équipe à l'OVA moi présent, et ceci, le plaisir de vous servir, c'est toujours notre désir. Nous pouvons parler, je dis, à avantages et désavantages, déportation en gagné, soit pour Saint-Domingue et soit pour Haïti. On a commencé par le commencement. Je vous rappelle, le gouvernement, le président Luis Abinader, qui fait sortir dans le mois mai qui passait là, et bien sorti de 2020 à 2024, jusqu'à arriver dans mai 2024, qui passait là, il a dit qu'il a déporté 500 000 Haïtiens. Bon, on est là à nous réfléchir. Nous avons un pays qui a crasé. Or, la main-d'œuvre haïtienne en République dominicaine lui représentait plus passé 41% dans l'économie de ce pays. Que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la construction, ça nous a relé, et que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit Et sous quel que soit prêt sur le plan touriste étudiantil, la présence des Haïtiens en République dominicaine, c'est un bras fort pour l'économie dominicaine. L'économie dominicaine. Mais est-ce que qu'on y a là, c'est qu'on est dominicain ou pas comme ça? Oui, on compte ça. Mais pour qui ça a une déportation massive, ça y est? Est-ce que pas toujours qu'on y a une déportation dans la République dominicaine? Oui, tu es toujours gagné. Mais il y avait une manière de le faire. Par exemple, je rappelle, première fois immigration campée dans le pays, ça c'était en 2012. Là encore, j'étais étudiant en psychologie clinique. Je m'a marché, je me sentais un monde qui n'aimait pas d'ailleurs, je me virais avec un coup. Parce que, bon, vous savez, et moi, je fais sortir Haïti en 2010 et puis 2012, deux ans. Mais en réalité, je n'ai pas parlé espagnol. Je vais commencer par l'espagnol, je vais Haïti. Et puis, moi, je fais amassial. Ça veut dire, les gens qui ne m'aiment pas d'ailleurs, les gens qui viennent, je ne vais pas avoir un bon bagage. Non seulement les gens qui viennent, je vais tout retirer, mais je ne vais pas accès à vos écoutes sur moi. Parce que je pratiquais amassial. Et vous savez, en 2012, je vais tout à fait sous moi, tout le mouvement sous moi. Et puis, je me sentais un monde qui n'aimait pas d'air, bah! Et puis, je me virais en 45 degrés, rap, rap, vite, je me retirais même. Et puis, je me campais. Mais là, je me gardais, moi, qui est marqué DGM. Mais depuis longtemps, premier bagage que je fais dans le pays à l'Emvini, je visitais l'ambassade haïtienne qui joue Nina Sanchez Ramirez con Maximo Gomez. Et je visitais une clinique qui est plus près. Et parce que moi, je me comportais comme, alors, comme millionnaire. D'ailleurs, je suis riche. Et la richesse n'est pas de l'argent. La richesse, c'est de la fortune. Et la première fortune que j'ai, c'est de la connaissance. Vous voyez, je suis riche. Seulement, moi, pour gagner, et ça aurait les capacités économiques là. Mais j'ai déjà l'idée pour être riche. Et je suis riche. Et m'a cultivé. Moi, visiter une clinique qui est plus près. Moi, visiter un commissariat qui est plus près. Et puis, troisième bagage, quatrième bagage que moi, je fais dans le pays. En tant que citoyen qui est arrivé, moi, lire la constitution dominicaine amendée de 2010. Ça va pas gagner mon saute. Ça va pas gagner mon saute. Et, les moi, lire la constitution, moi, regarder
Moi, ouais, les droits des étrangers, droits de touristes, droits moun gagné dans le pays en tant que citoyen. Là, je connais qui ça pour me dire, qui ça pour me pas dire. C'est là que je apprends, moi, pas de droit entre bouche dans l'affaire politique de ce pays en tant qu'immigrant, en tant qu'étranger. C'est là dans la Constitution que m'apprendre. Voyez-vous bien? Et en 2014, moi, étudié le code pénal processal dominicain. Pas assez, pas joué. Pas jouer. Et mon yo gon bagay yo pa comprendre. Et moi j'ai un livre là jusqu'à maintenant qui est Convenios et Dominico Convenios bilaterales Dominico Haitiano. Ça veut dire rapport que c'est domaine avec Haïti. Moi j'ai lu ça là jusqu'au là. Vous voyez? Ça veut dire moi kon ça pour me dire ça pour me bâtir. Bref. Le mwen li sou économie République Dominicaine, mwen wè, déporté Haïti, c'est bak Saint-Domingue a fait. Et d'ailleurs, si Haïtien était intelligent parce que ça, yo ta de profiter de cette occasion, pendant yo retourné au lakay, yo établi des petits des investissements, comme gagné en pile Haïtien qui fait ça. Les gagné Haïtien ont déporté, monsieur Pranti Kobli la lavelle, li pa bay kop pou yo la gen, li Pranti Kobli la lavelle. Les monsieur veut acheter une motocyclette, de motocyclette. Parce que femme de sous, il y a 30 000 personnes dans mon lot, vers Haïti. Là-bas, presque 70 000 gouttes. OK? Et 70 000 gouttes de bien sûr, c'est n'importe 35 000 dollars. Ou qu'a acheté un bagage avec. Et il s'achète une moto, il fait moto, taxi. Après, il s'achète une petite machine, il change de machine en une autre machine. Qu'on a mis à broter bagage. Et monsieur dit qu'on a acheté à la fécali. Ça veut dire que ce n'est pas tout l'heure du poteau son mal ou fort. D'ailleurs, li un désavantage pour la République dominicaine et puis avantage pour Haïti. Mais sauf que Haïtien n'a pas exploité avantage là, les déportés ou bien l'immigration québécoise. Moi, je dis nous, les nègres québécois en 2012, nous avons demandé un papier. Mais pour vous dire franchement, moi, j'ai un visa sur passeport, mais je n'ai pas marché avec passeport. Et moi, j'ai marché avec 4 étudiants que l'université a été moi. Et puis, moi, j'ai gagné l'autre 4 dans le poche de la communauté internationale. Ça veut dire que moi, travail et bien, et dans une mission internationale, que je ne voulais pas qu'un monde comme ça tout. Et c'était pour, juste pour ma protection. Et là, j'ai gagné 4 étudiants, et puis, j'ai dit, montez. Moi, montez tranquille, paisiblement. Mais ce n'est pas qu'on y a, j'ai pas brutalisé, rien, j'ai monté, il n'y a pas la veine, n'a pas causé. Et puis, moi, j'ai fait appel à la CAI pour capoter le passeport pour moi, c'était dans la zone, je ne pas trop loin. Et puis, j'ai un confrère qui est venu à passeport pour moi. Et puis, paisiblement, j'ai eu le faniel depuis que je descends. Vous comprenez? Là, ça, c'était sous Léonel. Ce n'est pas même Jean. Ensemble avec Kounyala. Kounyala, j'ai eu Kembo, par exemple. Moi, jusqu'à... Je ne vais pas eu Kembo dans le moment ça. Là. Je vais camper. Ah, si je ne dis pas camper, c'est péché. Je vais camper plusieurs fois. Et là, j'ai eu Kembo, je vais avec eux. Ou des documents, ou mes documents. Et si vous parlez, c'est un problème pour vous. Et je ne vais pas prendre pression dans le monde. Et je vais dire que Dieu nous soit et l'Haïtien qui a de l'argent. Et qui nécessite de l'argent, qui se souda. Qui se souda ou renuncie à te. Et qui nécessite de l'argent, qui se souda. Quand l'homme dit Dieu nous soit et l'Haïtien qui a de l'argent, mi hermano, qu'est-ce qui est passant? Je ne suis pas illégal, frère. Eh bien, Haïtien te ka profiter de ça comme avantage pour que les yo déporté ou aller la caillou et puis ou chita ou réfléchi ou dit bon, laisse-moi faire quelque chose. Et Dominique n'est pas tellement vli et comme si Haïtien. Non, Dominique n'est pas tellement drôle. Depuis Dominique, ouais, manger li déballé. Nous songeons le moins passé, moins parking. Machine moi, c'était en 2020, c'est ça? Non, c'était en 2022. Et puis, je parti de mon côté. Et puis, il y a des droits dominicains chita là, mais il y a félicité machine là, laisse ça, bon, machine là, belle bagaille. Belle bagaille, récent. Et puis, il y a félicité machine là, waouh, et puis, quand il y a là, même maman, quand il y a tiré les. Brave, elle a dit, mamie chérie, bonjour, comment il y a des dominicains? On dit, diable, encore, maldit. Nous connaissons les gens habitués dit ça. Ça veut dire, ils n'ont pas pensé sur Haïtien. Et ce petit problème, ça a rien. Ça veut dire, debout, les Dominicains manger. C'est même si j'avais politicien haïtien, debout, ils ont mangé. Ils ont mis ton bain dans le fait de bec. Ils ont été en réponse.
Comprenez? Même gouvernement dominicain, il a capable de des haïtiens là. Depuis qu'un bon gouvernement monté aussi un bon accord respecté, et puis il y a pas vagri. Comprenez? Et m'a dit non bagage aujourd'hui à qui est étonnant pour me finir. Le président Luis Abinader. M'ta parlé avec un confrère, moi dit ça. Président Luis Abinader. Son président qui gagne corones. En espagnol, corones. Il gagne green, monsieur. Et, président Abinader, quand il y a 4 ans, monsieur, là-bas, nous problème, oui. Mais, d'accord, il y a un problème. Mais est-ce que nous ne pouvons pas parler de président de Abinader? Ah, va faire ça. Il faut nous être sincères. Moi, pour la première fois, je me dis ça, c'est parce que je ne peux pas supporter le faut me dire. En nous sincères. Est-ce que si Haïti a un président qui est green dans Luis Abinader, Haïti va pas faire pas? Ah, soyez sincère. L'idée pas pour impressionner mes boutines. Président République Dominicaine, et que monde dit ça, on dit qu'il est même là pour diriger la République Dominicaine, et chaque monde doit avoir une position qui fait au plaisir. Je ne vais pas dire vive Abinader, mais mon cher, si Haïti a un président dans le commissaire, et n'est-ce pas qu'il a fait là, il a fait là, on dit nous ça. Monsieur est couronné, monsieur est green dans le monde. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous bien le bon sens, autant que ça va de la vie. Tout va aller, bonjour, au revoir. C'était votre ami Faniel Etienne, au service de votre plateforme Allo Vamo, Allo Vérité, Sois Haïti. À tout le monde, dans le micro Faniel Etienne. Bonjour, bye bye.